Ouais, allez, bien bonjour tout le monde, ici Drainark pour un nouveau replay un petit peu particulier sur la chaîne YouTube, puisqu'il va s'agir du premier gros tuto que je vais réaliser avec mes soins. Je suis tout seul pour une fois, là ça va vraiment être une vidéo assez conséquente. Il va y avoir énormément de montage, énormément de choses sympathiques, bon, énormément, je me comprends. Disons qu'on va avoir droit à pas mal de trucs intéressants. Je vais essayer vraiment de vous faire une vidéo de qualité. Je pense qu'elle va me prendre pas mal de temps à réaliser, mais j'espère qu'elle vous plaira. Donc, comme vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo et dans cette petite image qui s'affiche devant vous, ce sera un tuto Protoss. Donc exclusivement Protoss, hein, je ferai peut-être d'autres tutos sur les autres races plus tard. Pour le moment, je vais vraiment me concentrer sur Protoss et sur le style d'MC, notamment lors de sa phase finale de WCS Season 1. Donc il y a quelques mois de cela, il s'est imposé face à MMA, face à GLG, donc face à deux très gros terrains, ce qui lui a notamment permis de remporter le titre de vainqueur des WCS Europe. Donc du coup, on va se concentrer sur 4 BO qu'on approfondira, on verra différents exemples et j'essaierai aussi de vous les appliquer après en ladder pour voir comment on peut les adapter à la stratégie de votre adversaire, etc. Donc on va commencer tout d'abord sur le Stargate Expand Into All In Blink sur Setgate. Donc c'est un BO qu'il a réalisé sur Deadless Point contre MMA notamment. Oui. Il a très très bien réussi, donc je vais prendre le temps vraiment de tout vous détailler. Je vais vous passer divers petits extraits, etc. Petites images vraiment pour que vous puissiez comprendre le BO de A à Z. Et je vous ai juste mis les autres BO pour voir un peu ce qui va contenir. La vidéo ne fera pas, je vais pas faire une vidéo de 2 heures en fait, je vais faire les tutos un par un, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième dans 4 vidéos séparées. Ça va vous permettre voilà, de consulter le BO qui vous intéresse. Donc on va tout de suite se lancer sur un petit extrait pour voir ce qu'on peut réaliser avec le premier BO. A tout de suite.